Romain Bardane-Doulbet, elle avait deux belles courses à disputer, soit une épreuve fermée, soit le semi classique. Pourquoi avoir choisi le semi classique? Eh ben, la course fermée est dans 3 semaines. Alors, je tente. Ça se va pas, je vais sur la course fermée, ça se passe bien, ben, avec les bons. Voilà. Je sais pas, c'est un test pour moi et pour elle, pour voir à peu près si on est capable, elle comme moi, d'aller avec les bons, quoi. Cette Bardane-Doulbet, Romain, elle plaît à beaucoup de monde, notamment à des grands professionnels. Est-ce que pour toi, ça change quelque chose dans ta préparation ou est-ce que ça t'a influencé à un moment? Oh non, non, moi je me lève le matin, je la sors la pendant déjà travail, ça ne change rien pour moi. Tout dépend de comment on court là. Si on court mal, eh ben, on reviendra l'année prochaine. Et si on court bien, on tente encore faire une belle course avec eux. Et puis voilà, quoi, j'ai pas. Ils peuvent parler, ça ne me changera pas ma journée, moi. Concernant le parcours, 2175 mètres, à ton avis, elle est capable de marcher combien? Sur un 2175, tout dépend de comment on descend. Si on descend vite, on peut faire on peut marcher 14. Et si on descend tout doucement, on peut marcher 18. Quoi. C'est, tout dépend de la descente et ça dépend comment on se regroupille dans la descente et comment on est dans le parcours. C'est des courses de poulain, alors on ne sait pas. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Quoi. On courra battu quoi qu'il arrive? Ah ouais, oh bah, de toute façon j'en ai qu'une de cette catégorie-là, c'est la seule que j'ai eu des chevaux concourus groupe et dans toutes les générations. Voilà, c'est la seule que j'ai vraiment qui est au-dessus de la mêlée de tout ce que j'ai entraîné depuis que j'entraîne quoi.